Oh! La tour sacrée du dieu Ho-Ho. Il n'y a pas de temps à perdre. Rendons la baguette étoile au dieu Ho-Ho. L'histoire de la baguette étoile. Nos héros sont arrivés dans l'enceinte de la tour sacrée du Ho-Ho. Et maintenant, il est l'heure pour la baguette étoile et pour nos héros de la restaurer complètement. Plus question d'abandonner. Plus question d'abandonner. Les Jojo Barjo sont pas dans le coin. On a fait nos preuves. Oh, si je m'attendais! Franklin, mais qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Voilà qui est vachement curieux. Bonjour, Dio. La baguette étoile. Ça vous dit quelque chose? Oh, si je m'attendais, bien sûr! Bien sûr que je vois quelle est donc cette baguette. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vue. Longtemps ? Bien évidemment ! C'était bel et bien moi qui me servais de cette baguette étoile afin de lui accorder toute la facilité qu'elle pouvait contenir. Mais toi, Franklin, c'est toi qui la possèdes. Mais que se passe-t-il exactement ? C'est Mickey. Il est devenu invincible par je ne sais comment. Et là, on a besoin de l'arrêter. Une invincibilité alors qu'il n'a pas la baguette étoile. Voilà qui est curieux. À la base, la baguette étoile est servie pour acquérir l'invincibilité du porteur. Cependant, si Mickey ne possède pas cette baguette étoile, et qu'il est quand même invincible, ce n'est absolument pas normal. Après, par quelle raison, je l'ignore. Yo-ho. Il y a certainement un moyen. Vous seul pouvez, je sais pas, inverser la polarité, comme un espèce de pouvoir qui permet de ôter l'invincibilité. Tu as vraiment des idées que moi-même je possède. On serait peut-être potentiellement connectés l'un envers l'autre. Effectivement, je peux apporter un rayon pour ôter l'invincibilité à autrui qui, quiconque possède une invincibilité quelconque, pourra être retiré sur le champ grâce à un pouvoir que j'ai. Cependant, il y a une histoire assez particulière au sujet de la baguette étoile que tu tiens dans les mains. Une histoire qui va très certainement vous apprendre quelque chose au sujet du monde des Poké de peluche il y a longtemps. L'histoire que je vais te raconter, et ça va être même valable pour vous, Mario, Petit Fox, Simba, Oursa, Teka, Tétard et Grand Schtroumpf. Alors, jadis, les légendaires B et K étaient à la base le héros de ce monde, qui nous sauvait de n'importe quelle situation. Il était au service du bien, combattait les démons les uns après les autres. Mais un jour, le légendaire B.E.K. avait besoin de cette baguette étoile. Et pourquoi, à votre avis? Pour être invincible face
au terrible Scream de l'époque. Scream de l'époque? À la base, Scream avait un pouvoir absolument désastreux. Et il était aussi puissant, qu'il est devenu aussi invincible. Alors, légendaire B.E.K. s'est dressé vers ma personne. Je lui ai donc donné la baguette étoile avec l'invincibilité et le pouvoir doté de l'invincibilité. Bien sûr, ça rendait le combat extrêmement facile. Il vainquit l'odieux Scream et ramenait le monde des Pokémon peluches comme il était avant. Puis ainsi, Scream retourna dans son tombeau et ne reviendra plus jamais pendant plusieurs rises, des centaines et centaines et centaines d'années. Toutes les pièces de puzzle se rassemblent. Cette baguette étoile, est-ce que le légendaire B.E.K. était... Peu de temps après que Scream a été vaincu, le légendaire B.E.K. prit sa retraite et partit très loin. En laissant bien sûr la place à un futur héros qui souhaite le devenir. Oh... Mais alors, je ne peux pas être invincible? Non, Franklin, c'est beaucoup trop. Et puis de toute façon, ça serait donner énormément d'énergie de ma part. Et je n'ai plus autant cette force qu'avant. Et puis, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est que... Tu dois apprendre à devenir un véritable héros sans être invincible. Tu dois combattre avec une véritable barre de santé. Ta force, ta défense, tous tes stats. Bien que je dois l'avouer, t'as une vitesse de merde. Mais enfin... C'est pourtant la vérité. Ouais, mais quand même. Écoute, Franklin. Je disais pas ça pour te rabaisser. Mais tu dois bien le savoir. Avec cette baguette étoile, je pourrais... rendre un pouvoir assez étonnant qui est de ôter l'invincibilité afin que tu puisses retirer ce que Mickey est devenu. Puis bon, en plus si tu traînes, il risque de conquérir le monde des Pokémon peluches et tu seras embêté. Maintenant, pose la baguette étoile devant moi. Je vais m'occuper du reste. Merci beaucoup. Avec les pouvoirs de la cendre sacrée. Que cette baguette étoile puisse retirer toute invincibilité à usage unique. La baguette étoile possède maintenant une capacité qu'on appelle rayon étoile. Tu peux maintenant la garder, Franklin. Yahoo! La baguette étoile a retrouvé ses pouvoirs. Du moins, un pouvoir encore inédit qui est doté de l'invincibilité. Pendant plusieurs saisons, Franklin, je t'ai vu de loin. Tu as beaucoup progressé. Tu as appris des capacités. Tu as des passifs. Tels que résister au climat extrême. La puissance de feu que tu as acquise devient de plus en plus forte. Peut-être qu'un jour tu as peut-être développé encore plus de capacités signature. Comme mon feu sacré. Je le vois clair dans ton avenir, Franklin. Il se peut qu'un jour, tu développeras des capacités hors du commun. Cela pourrait même dépasser l'entendement, au-delà de l'espace et au-delà du temps. Continue ainsi dans ta quête, et tu acquériras de nouveaux pouvoirs encore inédits. Et cela en va de même pour vous.
que ce soit Mario, Petit Phoque, Simba, Tétarde, Grand Schtroumpf. Pour Grand Schtroumpf, j'ai remarqué que toi, tu as déjà acquis à cette capacité. Tu es quand même le doyen, dont aussi le professeur Pokémon. Ah, parfaitement. Et toi, Oursateka, oh, tu as grandi depuis les dernières fois. En effet. Tu n'es plus le petit ours que j'ai connu. Ni même le grand ours. Tu es devenu un peu plus indépendant. Chacun d'entre vous développera des capacités. Mais ce que je veux de votre part, c'est de découvrir encore les mystères. Et peut-être même affronter le plus vil des vilains. Le plus vil des vilains, Mickey? Je pense que il serait même assez pour être un élément absolument désastreux pour notre monde. Tout le monde serait de votre avis de toute façon. Je n'en doute pas. Ma mission est accomplie. Je vous laisse rentrer chez vous. Et bon courage pour rentrer. Merci pour tout. Et bonne journée. Au revoir. Oh, on a réussi. On a la baguette étoile. Et elle est pleine d'énergie. Plus rien maintenant va nous arrêter. Du moins, on sera pas invincible. Mais pour ôter l'invincibilité de Mickey, c'est bien notre destinée. Partons vite vers notre village. Il se peut bien que Mickey ait déjà fait quelque chose. T'en es sûr? Qu'est-ce qu'il y a pas, Simba? Je sens... Oh non. Je sens comme des ennemis se rapprochent. Oh bah ça s'annonce déjà très mal. Et je crains qu'on va les rencontrer devant nous. Alors préparons-nous. Rien ni personne ne peut nous arrêter. Nous sommes quand même une équipe de 7. Et à 7, on est invincible dans notre cœur. Ça c'est bien parlé. Gloire à notre équipe. Gloire à notre équipe. Vous en êtes sûr, chef? Vous pensez que vous avez acquis assez d'expérience pour ça? Bien évidemment que j'ai acquis assez d'expérience. Il serait temps qu'on leur montre de quel bois on se chauffe. Nous, les Jojo. Cracao, 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 cracao. Tout juste, l'heure est venue pour montrer ma vraie puissance. Et justement, les voilà. Oh, les Jojo Barjo! Arrêtez de nous appeler Jojo Barjo maintenant! Stop! Merde! Il serait temps d'apprendre que maintenant, l'équipe des Jojo Barjo, comme vous avez tendance à nous appeler, c'est qu'elle commence à sincèrement me fatiguer. L'heure est venue pour moi de montrer ma véritable puissance. Soldats, veillez me faire de la place. Quoi? Dromadaire évolue! Sayonara, bitches! Quoi? Il évolue? Ça s'annonce déjà très mal. Oh non, 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 non. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh! Chameau-vent! Félicitations! Votre dromadaire évolue en chameau-vent! Hey, c'est incroyable! Il a une selle! On peut lui monter dessus! Oh, ça c'est trop bien ça! Alors, qu'en pensez-vous? Je n'ai jamais connu ce Pokémon Peluche jusqu'à avant aujourd'hui! Un chameau-vent! Bien sûr, il fallait s'y attendre! Un dromadaire et des chameaux! Un dromadaire et des chameaux-vent! Ça semble beaucoup plus logique dans ce sens, mais de là s'attendre à une évolution pareille? Même s'il a évolué, on ne va pas relâcher nos efforts. Vous la voulez la baguette étoile? Alors venez la chercher, bande de minables! Un combat est lancé par l'équipe des Jojo.
Ce sera un combat chacun à son tour. Alors je choisis Junko. Junko. Ours Ateka, à toi de jouer. Ours Ateka. Lame feuille. Oh. Ouais. Point d'os. Voilà, fais attention à toi. Hein. Oh pardon, désolé. Lame feuille. Oh. Point d'os. Giga sans su. L'énergie d'Ours TK a été drainée. Point glace. Giga sans su. Encore. L'énergie d'Ours TK a été drainée. Cette fois-ci là, je vais déglinguer ta race. Plaquage froid. Junko et KO. Krakao, krakao, krakao. Mister Coco à toi. Krakao, krakao, krakao. Moi, je switch. Je m'en occupe. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. T'es un crocodile ou un alligator? Voilà que je me pose des questions maintenant. Crocodile ou alligator? C'est quoi la différence? Fatal Foudre. Krakao. Machouille. Corail. Tonnerre. Vibraquois. Point éclair. Machouille. Fatal Foudre. Mister Coco et KO. Évidemment. Ginger Violet, à toi. Pas de problème, je peux encore continuer. Fatal Foudre, esquive. Tu m'as loupé, tocard. Charge empoisonnée. Oh, coup critique. Tonnerre. Direct toxique. Simba et KO. Tu t'es bien battu. Petit phoque à toi. Blizzard. Ginger violet est congelé. J'ai pas vu quelqu'un être gelé sur place. Eh ben que de glace. 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 J'ai vu les KO. Pikachu à toi. Pika. Je vais rester au combat. Attends, t'es sérieuse, petit phoque? Bien sûr, je sais. La nulle. Seisme. Quoi? Putain. Quoi? Seisme? Tu te fous de ma gueule. Picard. Fatal Foudre. T'as voulu faire ta maligne. Voilà ce que tu mérites. Malgré tout, tu résistes. Seul. Pika. Pikachu et KO. Déjà, je savais que les Pikachu étaient faibles, mais quand même. Chame au vent. Laser glace. Vent violent. Coup critique. Laser glace.
petit Franck Cacao. Je voudrais que Franklin s'adresse à moi. Qu'est-ce que vous avez avec moi? Si tu veux. Franklin, je te réserve bien des surprises. Mais je veux te voir te battre contre moi, voir ta dignité. En tant que futur héros, je suis prêt à affronter tous les types confondus. Bien, ah bah si, affronte-moi. Feu sacré! Tu te débrouilles bien. Maintenant, tu vas affronter, toi en avant-première, une capacité signature. Ça va te plaire. Quelle capacité signature? Que seuls les chameaux vents peuvent apprendre. Et ça va être fatal. Voici l'attaque. Berceuse fatale. Berceuse fatale. Sayonara. Hein? Ah, ça me fait mal aux oreilles. Apprends à souffler. Vas-y, souffre des oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de la merde cette musique! Ta gueule, ta gueule, ta gueule! C'est insupportable! T'en as bien souffert, hein? Dromadaire, enfin je veux dire, chameau vent, chameau bourrasque, tout ce que tu veux. Lance-la! Seize. J'ai pas pu riposter. Tête de fer. Down. L'équipe des Jojo Barjo ne sont plus capables de se battre. C'est l'équipe de Franklin qui ont gagné. Wouhou. Je sais pas, non, moi j'ai pas battu. Pas non plus. Bah pareil. Ça a été plutôt facile en fin de compte. On a su gérer notre stratégie. Ça c'est bien vrai. Vous pensez avoir la baguette d'étoile? Eh ben, vous pouvez bien vous la foutre dans le cul, car c'est nous qui l'avons. On le savait déjà, espèce d'abruti. Partons vite. Bon, voyons voir, ça c'est parfait, ça c'est parfait. Toutes les mises en place sont parfaites. Le patron ne devrait pas tarder à arriver. Je suis sûr d'en acheter un autre. Ça y est. Vous avez mis en place l'artillerie? Tu veux plutôt dire la balise? Oh oui, c'est une balise. Pardon. La balise A est prête, et tant qu'elle a la balise B? Également. Il y a un événement qui va se produire quelque part à Sino. Et si jamais Franklin essaye de m'arrêter, il va se dire, oh, il va revenir ici. Et là, non. Cette balise va nous permettre de mieux faciliter notre travail. Pouh, ça fait du bien de rentrer à l'île des héros. Maintenant, Mickey, c'est nous et toi. Alerte, alerte, des intrus sont entrés. Alerte, alerte, des intrus sont entrés. Alerte, alerte. Ah, je suis prêt à parier que Franklin est arrivé. Eh ben, on va les accueillir, comme d'habitude. Ha! Oh, le voilà! La crotte de nez. Une soupe de crotte de nez avec de la tortue et de la crotte de nez. Ça n'a plus aucun sens. Coucou, Franklin. Alors, tu veux te prendre encore une belle branlée dans ta figure? Eh ben, ça, ce sera plutôt l'inverse. J'ai la baguette étoile. Tu peux dire adieu à ton invincibilité maintenant.
Alors qu'est-ce que t'as? Tu trembles, hein? Fils de tortue de merde. Ok, je vois. C'est comme ça que tu vas la jouer. Alors, je te dis bye bye. Quoi? Mais où est-ce que... Au revoir, le super nulos. Enfin, mais... Mais qu'est-ce que... Quand ils sont partis? Qu'est-ce que... Profitons encore de la balise, tant qu'ils s'en est pas encore... C'est pas encore débarrassé. On y va. Let's go! Il n'est pas opérationnel? La balise virale VPS a été détruite. Vous êtes fait troller. Ha 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 ha. Ça veut dire quoi ça? Je crains qu'il a déjà détruit la balise, l'autre balise. Dans votre cul! Vous allez quand même pas m'oublier. De toute façon, ça fait qu'un. La téléportation ne marche plus. Je propose qu'on rentre à la maison et y réfléchir. Bonne idée, Tetart. Ici, on n'est pas à l'aise. Comment ils sont partis? Et par quel moyen? Je l'ignore. Je l'ignore vraiment. Bonjour à tous, ici Shrek Chevalier, en direct de Joto News. Une dépêche vient de tomber. Un événement devait se produire dans la région de Sinnoh. Et cet événement n'était autre que la Ligue de Sinnoh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, la Ligue de Sinnoh a été ravagée. Donc, a donc été potentiellement annulée pour la mise en place de la Ligue pour cette année. Pourquoi un odieux magicien a osé foutre le boxon dans l'enceinte de l'établissement? Et que pouvons-nous faire? Absolument rien! Nous avons même tout fait, les gardes de la sécurité et bien sûr un des Pokémon légendaires n'a pas réussi à le vaincre. Articodin! Articodin! T'as une tête de bite et en plus t'as pas de nez. Et ton nez, on en parle? Canard! Psychoboost! Je suis invincible. C'est tragique. S'il s'empare de la région de Sinnoh, alors les autres régions pourraient aussi y passer. Que pouvons-nous faire? Le dieu, si tu nous entends, viens nous sauver de cette tragédie. S'il te plaît, dieu Ho-Ho. La région de Sinnoh? La Ligue de Sinnoh? Fallait bien sûr que ça arrive. Comment ça? Bah que Mickey fasse en réalité un attentat à la Ligue de Sinnoh. Mais j'ignorais qu'il y avait un événement. Et puis de toute façon, ça paraît évident que Mickey allait faire un truc. Il s'était porté à la Ligue de Sinnoh. On peut déjà y arriver. Avec la baguette étoile, tout ira pour le mieux. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'il va mijoter comme plan? Moi qui croyais qu'on allait finir cette saison en beauté. Voilà, pas pour aujourd'hui. C'est parti. On repart, mais cette fois-ci, à Sinnoh. Mamma mia, je sens que cette saison est loin d'être terminée. Bon allez, c'est parti alors. Après Owen, Johto. Maintenant, repart à Sinnoh. Pour cette même saison, je vous dis, ne manquez pas la suite des aventures des Pokémon Peluche, parce que le voyage, il continue. Je sens qu'il veut vraiment nous faire tourner en bourrique. Simba va vous causer. Simba va vous parler. Ouh, j'ai bien envie de me poser un petit peu. Vas-y, on va se poser un petit peu, 5 minutes. Avec une bonne sucrerie. Maton. Ça va, tes tartes? Dis-moi, est-ce que tu penses à bien te brosser les dents? Bah, oui. On dirait que ça brosse un peu mal. Mais tu sais que tu risques d'avoir une carie.
Et voyons voir. Oh, oh là là. Oh, mon pauvre ami. T'as mal brossé à une... Là où il y a une dent de sagesse. J'ai une dent de sagesse? Moi? Ah oui. N'hésitez pas à vous brosser les dents après chaque repas. Et si besoin, allez chez le dentiste s'il y a un problème. Nos dents sont faites pour durer, mais à condition d'en prendre soin. On pourra prendre rendez-vous chez le dentiste, s'il te plaît? Oui, j'espère qu'il y a une place pour demain matin.